seconde nuit d'émeute à Lisbonne et dans sa banlieue. Le gouvernement a parlé de troubles inacceptables, tandis que le président de la République a souligné la nécessité de préserver la sécurité et l'ordre public. Je compare un peu les agences immobilières avec les sites de rencontre. Ici, les murs sont nickel. Mais c'est pas mal, franchement. Salut. Je vais te partager la visite de deux ruines, la première à 25 000 euros et la suivante à 68 000. Sur les deux, il y en a une qui me plaît assez. J'y réfléchis. Je t'emmène. Par y aller à pied. De ce côté-là, c'est vraiment joli. Par contre, ils ont oublié de préciser que il y a 4 éoliennes devant. Elle est pas mal de loin. Le chemin, il est privé. La maison est belle. Il y a une ruine aussi qui est avec. Bon, il ne reste pas grand chose. Ici, il y a une petite bicoque là qui est là aussi. Ouais. Un tas de cailloux quoi. Voilà ta maison. Non, elle est bien, mais en face, il y a ça quoi. Par contre, on va voir. Par contre, ce côté-là, c'est joli. Sauf que le terrain, il est derrière. À vérifier. Bon, c'est quand même pas top d'avoir des éoliennes juste devant chez soi. C'est génial l'idée quand même. Autrement j'aime bien, c'est vraiment sympa là-dedans. Ici,
Les murs sont nickel. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. L'arbre dedans. Elle est pas trop tombée celle-là. Bon, ça va. Ok. Une belle pièce. Sauf que là... Une belle vue. Enfin, presque. Bon bah... Moi je dis qu'elle est pas vendue celle-là encore. Non, maintenant c'est pas possible. Quand tu veux le calme, là t'as pas le calme. Bon, ça peut le faire. C'est pas pour cette fois. Pour cette nuit, je me suis posé là. Ça m'a l'air tranquille. Sous les oliviers. Non, sous les chênes liège. Tu vois, l'écorce, c'est du liège. Donc voilà l'ancienne coupe. Là, c'est le liège qui est récupéré sur les chênes à liège. Je pensais dormir peinard cette nuit. Je me suis fait réveiller par un coq. À 6h du mat. Quand tu te couches à 1h, ça fait un peu court. Et ça va aller. Il y a un beau soleil. Bon, je suis reparti pour une nouvelle ruine que j'ai vue beaucoup plus chère, 68 000 €. On va voir ce que ça donne. J'ai quand même pu faire de la réparation du drone. A priori, ça marche. Je me suis posé là pour manger. Un petit coin sympa. Au bord de la route. Je me suis fait une omelette au maquereau. Un peu de citron. Mais c'est pas mal, hein, franchement. Je compare les agences immobilières au site de rencontre. Les photos sont toujours prises sous le meilleur angle. Bon, c'est dommage. Ça fait perdre du temps souvent à tout le monde. En tout cas, il y a une belle vue.
mettre des chaussures plus adéquates pour ce terrain. Et c'est parti pour la visite. Donc la première ruine sur le terrain, ici. Mais elle est là. À l'intérieur, c'est quelques monstres. Quelques ronces. La première. Une autre là. Le terrain se trouve là. Là-dedans. C'est pas mal quand même. La prochaine ruine, donc la troisième sur le terrain, se trouve là. Ici. Ah, c'est joli ici quand même. Le terrain est tout là. Et devant. Exposé sud. Un olivier. Non. Un chêne liège. Une belle écorce. Donc la ruine est là. Ok. Bah, s'il manque pas grand chose quand même. Le mur intérieur de refond. Il manque juste un morceau de mur. Une charpente et des tuiles. Un bel eucalyptus. Je vois qu'il y a une quatrième ruine. Ouais. Bon, c'est pas mal.
c'est pas mal. Le prix est pas le même, 68 000. C'est plutôt sympa quand même. La porte, je pense que à l'origine elle était là. Ou là. Ouais, peut-être là. Ah non. Non, pas là. Un petit patio là, à l'ombre. Tranquille. Ah, j'aime bien ici. Un bel olivier. Donc deux grandes pièces. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. L'idée serait de prendre une pelle mécanique et d'évacuer tout l'intérieur, d'évacuer les parties de mur qui sont tombées ici et là. Ouais. Il n'y a pas de chemin pour la pelleteuse, mais bon, je pense que ça va passer. Pardon.
Je vais demander le plan du cadastre. Après, je vais voir. Bon, je pense pas qu'il y ait d'eau. Pour le courant, il y a le poteau qu'il y a, je crois. Je pense que c'est du jus. Mais bon, ça, j'en ai pas spécialement d'utilité. Et pour l'eau, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas de puits ici. Et je suis pas sûr qu'on puisse se raccorder quelque part. Mais bon, l'eau, ça ne me dérange pas plus que ça. Ok. Plus qu'à réfléchir. Après, je me dis, quand il n'y a pas d'éoliennes sur les champs de vision, c'est quand même beaucoup plus joli. Je compte me faire une résidence principale, ici. Mais c'est pour la vue de tous les jours. Si ça ne dérange pas, ça va, mais... J'ai une vue quand même sans éoliennes. C'est beaucoup plus sympa qu'avec. Enfin, à mon goût. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine visite. Ciao.